Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Délices de Yasmine. Depuis que j'ai testé cette recette de cordon bleu maison, je ne les achète plus au supermarché. Ils sont tellement meilleurs quand on les prépare soi-même. On commence par découper notre escalope de poulet. Voilà, ensuite on ajoute le sel et le poivre. On mélange bien et on vient le hacher. Voilà ce qu'on doit obtenir. On continue de la même façon jusqu'à finir toute la quantité de poulet. Ensuite, dans un plat, on met un peu de farine. On forme une boule avec notre poulet. Et on vient l'aplatir. Je mets par-dessus une tranche de jambon. Ensuite, deux tranches de fromage croque-monsieur. Je remets une tranche de jambon et je referme mon cordon bleu. Voilà, je farine bien. J'essaye de faire une belle forme. Et quand j'ai fini de former mes cordons bleus, je les place minimum une heure au frais. Ensuite, je viens casser deux œufs. J'ajoute 30 ml de lait et une pincée de sel. Je mélange bien le tout et je laisse de côté. Et dans une autre assiette, je mets ma chapelure. Je place mon cordon bleu dans l'œuf et puis dans la chapelure. Voilà, quand je finis de préparer mes cordons bleus, je passe à la cuisson. Dans une huile bien chaude, je fais cuire mes cordons bleus à feu doux. Et quand ils sont bien dorés des deux côtés, je les enlève. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt!